Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Splix.io. Aujourd'hui, vidéo spéciale sur Splix.io puisqu'on va aborder 4 techniques sur ce jeu. Alors attention, parce que je vous vois venir, 4 techniques sur Splix.io. Et bah ouais, 4 techniques sur Splix.io, 4 techniques que moi-même j'utilise, donc 4 techniques certifiées. Eh ouais, vous inquiétez même pas. Bon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va s'appeler « Je serai premier ». Eh ouais. Allez, c'est parti. Donc nous allons d'abord aborder la première technique. Alors la première technique appelée petit bras. Cette technique s'adresse plus à des joueurs en herbe, à des joueurs donc débutants. En quoi consiste-t-elle? Le principe est très simple. Il suffit juste de se déplacer et faire des petits carrés, mais toujours garder en vue notre couleur. Vous voyez? En fait, il ne faut jamais perdre de vue notre couleur. On appelle ça la technique des petits bras, tout simplement. Oh putain, dégage-toi! Oh le salopard! Ah, faut faire attention avec la technique des petits bras quand même, hein. Regardez-le, salopard, va. Voilà. Hein, regardez-le, il grignote chez moi déjà, lui, hein. Donc comme je vous le disais, cette technique, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste à toujours garder un œil sur notre couleur, ne jamais s'éloigner, toujours garder notre couleur en vue. Avec cette technique, vous êtes certain d'arriver dans les plus hauts niveaux. C'est sûr et certain. Par contre, faut pas compter les heures. Regardez-le, lui. Hein? Hop là! Dégage! Ouh! Il a bien mangé, dis donc! Il a bien mangé, hein? Dégage de là, va! Il est en train de bouffer chez moi! Tiens, dégage, ça te fera les pattes. Alors, vous voyez, elle est quand même bien cette technique. Alors celle-là, c'est la technique des petits bras, mais vous avez aussi une autre technique qui consiste à ne pas perdre de vue votre couleur, non seulement, mais aussi à ne pas perdre son laser de couleur. Vous voyez, le petit laser là qui nous suit. Eh ben, faut jamais le perdre de l'écran. Alors cette technique s'appelle plus la technique du dégonflé. Mais nous n'aborderons pas celle-ci dans la vidéo. On va rester sur celle des petits bras. Voilà, celle des petits bras, on garde toujours notre couleur en vue. Voilà, tranquillement. Et on fait notre petit bonhomme de chemin. Alors certes, il ne faut pas compter les heures. Alors quand est-ce qu'on va arriver dans le classement des plus hauts niveaux? Ça, on est sûr qu'on va y arriver avec cette technique. Par contre, il ne faut pas compter les heures, c'est certain. Voilà. Mais vous êtes sûr d'y arriver, tout simplement. Regardez comment qu'elle est bien la technique des petits bras. On garde toujours notre couleur en vue. Et hop là, avec ça on est sûr d'arriver en haut du classement. Sûr et certain. Regardez-le, où que c'est qui s'en va. Crac. Alors dégage. Eh ouais, toi tu connais pas la puissance de la technique des petits bras, mon vieux. Elle déchire cette technique, hein, franchement, hein. Ouais, moi j'aime bien. Alors nous avons vu les différents points de la première technique. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième technique. Cette deuxième technique s'appelle le couillard. Elle s'adresse bien entendu à un public un petit peu plus averti, un public un petit peu plus expérimenté. Ouh, dégage toi alors! Qu'est-ce que tu fais chez moi? Oh, regardez-le! Regardez-le, lui, il s'est perdu. Oh, salopard, bah, il a bien mangé, hein. Il a bien mangé, hein, le salopard, hein. Donc voilà, la technique du couillard, en quoi consiste-t-elle? C'est très simple. Eh bien, nous allons tout simplement partir un peu plus à l'aventure. Voyez, on va s'éloigner tout doucement, tranquillement. On va faire des un peu plus gros carrés, on va dire. Tranquillement, mais on va pas prendre non plus trop de risques, parce qu'on sait jamais quand même. Voilà, on va faire des plus gros carrés. Cette technique-là s'appelle le couillard. Alors bien sûr, ça s'adresse à un public un peu plus expert, hein, normal. C'est des joueurs qui sont un peu plus, voyez-vous. Ça s'adresse à des joueurs qui sont un peu plus dans le game, si on peut dire ça. Ouh là, regardez. Regardez le couillard. Ouais, le couillard de temps en temps, il s'en va chatouiller les couleurs des autres. Voilà, tranquillement. Ça, c'est être un bon couillard. Regardez. Regardez la technique du couillard. Ça, ça marche. Voilà, crac. Ça, c'est cool. Alors, avec la technique du couillard, vous êtes sûr de monter un peu plus vite qu'avec la technique du petit bras. Mais par contre, vous savez pas si vous allez en ressortir indemne. Voyez-vous? Ça, vous êtes sûr de rien. Ouh, regardez ça, comment qu'on mange bien. Miam, miam. Ça, c'est bon, ça. Ouh là là, les points qu'on fait, là. Regardez ça, c'est quoi une bonne technique de couillard, mon vieux. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Crac. Des bons carrés comme ça. 5985. Eh bah, c'est cool. On est toujours pas dans le classement. Ça va venir, ça va venir. Je vais utiliser un petit peu la technique du petit bras quand même. Parce qu'on sait jamais. Quoique, non, je vais faire un couillard. Allez, on tente le couillard. C'est toujours dangereux, le couillard, mais bon, on tente. Oh putain. Ouh, à mon avis, il y en a un qui a tué le jaune. Voilà, écoutez, on va refaire du petit bras. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Regarde, crac. Dégage, alors, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et on va profiter de ce petit kill pour rebondir sur la troisième technique. Ah, la troisième technique. Une de mes préférées. Le charognard, comme son nom l'indique, consiste à manger tout ce qu'il trouve sur son passage. Regardez, vous allez voir. C'est très simple. Voilà, ça c'est une bonne technique de charognard, voyez. Faut toujours faire attention, hein. Cette technique s'adresse bien sûr à un public encore plus expert que la technique précédente. On est bien d'accord, hein. Ça s'adresse pas à tous les joueurs. Là, on est d'accord qu'on plonge dans le haut niveau. Voilà, regardez, ça c'est du charognard. Voilà, crac. Ça c'est du charognard qu'on veut voir, c'est du charognard qu'on aime voir. Tout simplement. Et regardez avec le charognard comment qu'on monte, bien gentiment. On est déjà sixième. Et ça c'est plutôt cool. Vous voyez? Ouais, moi franchement je l'aime bien cette technique du charognard. Regardez, on va faire un petit peu les charognards. Regardez, le charognard, il aime bien le rose. Ah, il adore ça, le rose, le charognard. Le rose, ça donne des points, mon vieux, ça. Allez, laisse-moi manger ça là. Voilà, on va faire les bons charognards. Regardez ça. Miam miam, ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Ouh, je l'ai vu. Vous l'avez vu? Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais le charognard n'hésite pas à attaquer, hein. Voilà. Wouh!
Dégage, dégage, dégage de chez moi. Alors, regardez. Voilà, tout simplement. Hop là, le charognard aime bien taquiner le goujon. Ouais, ouais, ça, c'est une des capacités du charognard. Il adore taquiner le goujon, comme on dit dans le jargon. Regardez comment que ça le fait chier, le rose. Regardez comment que ça le fait chier. Ça l'emmerde, hein, quand on mange, hein. Voilà, crac! Voilà, ça c'est une technique de charognard, voyez? Ouh, regardez, on va charogner un petit peu par là. Oula. Ouh, le charognard n'aime pas se faire taquiner. Non, il déteste ça. Ça, c'est un des points faibles du charognard, tu vois. Et du coup, ça l'emmène à faire des conneries. Cette technique, elle est bien, mais elle a ses inconvénients, comme toutes les techniques, hein. Voilà, regardez. Ouh! Oh! Le charognard s'est fait avoir. Fallait bien qu'il se fasse avoir, hein. Ça, c'est pour faire passer la pilule. Et voilà donc qui nous fait rebondir sur la quatrième technique. Le chat couillard. Autrement dit, un mélange entre le charognard et le couillard. Voilà, oup là. Ouais, ouais, dégage toi. Ça dégage, ça dégage. Voilà. Alors, le chat couillard, c'est un petit peu un mélange de ces deux techniques. Oup là, tu dégages toi. Ouh, salopard. Tiens, dégage. Voilà. Ça, c'est une technique de chat couillard, mon vieux. Voilà. Disons que il s'en va. Il s'en va loin. Il part à l'aventure. Il sait qu'il va faire un gros carré, voyez-vous. Donc il va bien sûr manger tout ce qui se trouve sur son passage, mais en plus de ça, il part loin. C'est ce qu'on appelle la technique du shakuya. Eh oui, tout simplement. Alors ça peut marcher, hein. Ça peut marcher, ça peut pas marcher, ça dépend. Voilà, bah là ça marche pas en l'occurrence, ça dépend. Par contre, si ça marche, vous faites des ravages directs. Ça, c'est clair et net. Tiens, regardez, on va s'appeler le chakouillard. Allez, c'est parti, on va faire des petites techniques de chakouillard là, tranquillement. Voilà, regardez, regardez c'est quoi une bonne technique de chakouillard. Oh putain, oh le salaud, salopard va. Déjà avant d'attaquer la technique du chakouillard, faut attaquer un petit peu la technique des petits bras. Oh lui. Oh salopard. Voilà, on va se faire un petit peu la technique des petits bras tranquillement. Regardez comment que je vais bien le manger l'autre là-bas là. Hein? Alors, voilà. Et on retourne chez nous tranquillement. Et ça passe easy. Non, 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 non. Ouh, ça passe. Ça passe, ça passe. Regardez, regardez, regardez. Oh putain, le salopard. Oh le salopard. Regardez, le chakouillard attaque déjà d'entrée de jeu là. Crac! Ça fait 500 points dans la tirelire du chakouillard. Ça, c'est bon, mon vieux. Direct. Alors, le chakouillard attaque? Non, non. Non, non. Je me casse, je me casse, je me casse, je me casse. Je me casse. Oh putain. Ah, le chakouillard a ses points faibles. Déjà, le plus gros point faible du chakouillard, c'est la gourmandise. Ça, là-dessus, tu peux pas y échapper. Regardez, regardez comment que ça m'a l'air bon. Un petit coup de couillard, tranquillement. Oh! Regardez le coup de chakouillard que je suis en train de jouer, là. Oh, le coup que je suis en train de jouer. Oh, putain. Oh, j'espère qu'il m'a pas vu. Il m'a... Oh! Oh, il s'est foncé dessus tout seul. Oh, putain. Là, je vous dis, là, c'est pas un coup de chakouillard, c'est un coup de couillard, là. Là, c'est un coup de couillard tout court. Ouh, miam miam. Alors là, là j'ai joué gros là. Écoutez, on va rejouer gros. On va faire un coup de chakouillard. Ouais ouais, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, hein. On a vu les petits bras, on a vu le couillard, on a vu le charognard. Maintenant, on passe au level suivant, voyez. Level up, direct. Regardez, regardez, regardez le level up. Regardez. Tiens, crac. Alors, ça c'est un coup de chakouillard, voyez. Oh putain, je me suis fait avoir derrière. Ah GG. GG, franchement. GG, il a bien joué. Ouais, il a bien joué. Ouh, regardez. Il est bien inconscient, celui-là. Ouh, toi, pour commencer, t'aurais dû faire la technique du petit bras. Tiens, ça dégage, toi. Hop là. Ça, je mange. Eh, qu'est-ce qu'il fait chez moi, lui? Regardez. Non! Ah ouais, tu veux jouer à la bataille? Tu veux jouer à la bataille, mon vieux. Tu veux te frotter au chakouillard. Vas-y, pas de soucis, tu vas te frotter au chakouillard. C'est quoi ces gros bugs, là? Qu'est-ce que c'est que ces bugs? Regardez, regardez, il a voulu se frotter. Il a gagné. C'est quoi ces bugs? Regardez. Regardez, ça fait un gros bug là. Comment que ça se fait que ça a pas rempli mon carré? Oh, ce délire. Regardez, regardez, on va grignoter chez le voisin là, tranquillement. Hop là, tiens, dégage. Il s'est tué tout seul lui. Il s'est tué tout seul. Il a eu un petit coup de stress. Ça arrive. Le chakouillard ne cède jamais à la panique. Il ne faut surtout pas. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Dégage alors. Oh salopard, va salopard. Allez écoutez, je tente le tout pour le tout là. Je tente une grosse technique de couillard là. Franchement honnêtement je suis pas sûr que ça va passer. Ça aura pas été faute de m'acharner, de me re-racharner avec les techniques du chakouillard, du charognard, du petit bras, avec toutes les techniques. J'ai essayé les 4. Je ne suis pas parvenu en haut du classement. J'ai failli à ma mission. C'est un échec. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et bien, dites-moi dans les commentaires laquelle des 4 techniques vous préférez. Ça me ferait plaisir de le savoir. Si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas que je suis sur Twitter et Facebook. Vous pouvez toujours me rejoindre, c'est bien cool. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde. Bye.